Salut à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les nouveautés de la semaine. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je possède une boutique en ligne ladyandmummyshop.com où je vends des vêtements grande taille. Alors ça dépend, j'ai parfois du 40-42, c'est plus rare mais j'en ai, et je vais jusqu'à un 54-56, parfois 58-60 selon les modèles. Cette semaine, j'ai un peu de tout, je pense, à voir dans la suite de cette vidéo. Les envois se font par chronopost directement chez vous pour 6,90€ et en chrono relais pour 5,50€. Pour le moment, je reste avec chronopost, le temps de rédiger, etc. Je pense que début d'année prochaine, on basculera sur Colissimo et Mondial Relais. Donc, tout ça, je vous en reparlerai de toute façon. S'il y a de retour, c'est à votre charge. Il faudra me contacter avant. Vous avez 14 jours pour me renvoyer l'article qui ne vous convient pas. Voilà, pour vous référer un petit peu à moi, je mesure 1m70, je fais une taille 50-52 en haut et une taille 54-56 en bas. Je vous note sur mon site internet toutes les mesures, c'est-à-dire que en fin de semaine, quand je fais mes petites fiches produits, je mesure tous les vêtements un à un pour vous donner la largeur. La largeur sous aisselle, je la prends en fait de là à là. La longueur, je la prends de là jusqu'au bas, et la manchure c'est là, voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Je pense que je vous ai tout dit, donc c'est parti avec cette nouvelle sélection. Je porte une chemise, alors c'est soit une chemise longue, tunique un peu, soit une robe. Et là je voulais présenter en robe parce que je voyais trop le style robe. Je fais 1m70, elle est courte pour moi, par contre avec une paire de collants opaques, je pense que ça sera parfait, même des bottes, etc. Je vois totalement le look. Là je voulais proposer avec des bottines. Si vous êtes plus petite que moi, donc ça vous fera une robe. Et si vous êtes un peu plus grande, même à partir, on va dire, ça dépend de comment vous voulez. Si vous ne mettez pas de collant, c'est vrai que moi, comme ça, elle va être un peu courte. Donc plutôt sur un legging, par exemple, sur un pantalon noir, ça fera très joli. Un simili-cuir, enfin, il y a plein de possibilités. Elle est magnifique. C'est une robe-chemise, ou chemise, je vous ai dit. Elle est splendide. Je me rends compte que tous mes boutons... je ne les ai pas fermés, donc on va les fermer ensemble. C'est une, c'est un imprimé zèbre, donc c'est un peu la tendance de l'automne-hiver, je pense que vous l'avez vu, l'imprimé animal. Donc c'est un imprimé zèbre, il est trop joli, je pense que vous allez voir. Il est trop beau. Vous avez un petit col, qui fait un peu chemise du coup. Vous avez des boutons tout le long. Et sur la fin, on a de la dentelle. Et ce que j'adore dans cette petite robe, on va l'appeler robe, hein, mais c'est chemise longue, tunique, c'est qu'elle a des poches. Moi, je trouve ça génial. Voilà. Des petites poches comme ça, je trouve ça génial. Au niveau de la taille, regardez, on a vraiment de la palace. Donc, à partir d'un 50 jusqu'à un 54-56 au niveau du bas, même 58, on n'aura aucun problème. Ce qu'il faut se méfier, ce sera la manchure. Donc regardez bien par rapport à la largeur de vos bras, c'est vraiment là où on va devoir se méfier. Sinon, on a vraiment de la place, vous voyez. Que ce soit le haut, le bas, enfin vraiment, je ne suis pas du tout serrée. Et elle a une forme que j'adore. Vous voyez, elle est courte pour moi quand même, pour moi 1m70. Après, avec un leggings noir opaque ou des collants noirs, ça ira parfaitement. Je vous montre face au miroir. Ah, avant de vous montrer face au miroir, je vous montre quand même mon collier. Donc ça, c'est un nouveau modèle de collier, plutôt ras du coup. C'est ce qu'on voit un peu partout en ce moment, c'est clairement pareil tendance. Ils sont pas hyper larges, vous voyez, moi c'est bon. De toute façon, je vous les mesure toujours, comme ça vous savez, vous pouvez comparer. Donc c'est des grosses mailles en fait, c'est du plastique, hein, donc c'est très léger, c'est pas du tout lourd. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un poids à ce niveau-là. C'est très léger et vous avez donc des mailles noires et dorées. Voilà, je trouvais le rendu plutôt sympa. Je vous montre face au miroir, vous voyez comme elle est belle. J'aime trop. Elle est trop jolie, franchement... elle est magnifique, j'adore. Les poches, ça fait toute la différence. Donc vous voyez, elle est un peu plus longue, je dirais, derrière que devant. Et je pense qu'avec une bonne paire de collants, ça peut être canon. Un legging, un simili, même des bottes. Vous voyez, là j'ai mis des bottines noires parce que c'était facile. Mais avec des bottes, ça pourrait être magnifique également. Elle est magnifique celle-ci, j'adore. Et vous pouvez aussi l'accessoiriser avec un sac. Vous savez quoi, je vais vous faire le look.
un sac et une petite veste. Alors soit une veste simili, mais moi j'ai essayé tout à l'heure, je trouvais que ça rendait pas trop joli. Par contre je pense qu'avec la veste cascade de la semaine dernière, ça pourrait être canon. Pour rappel, la veste cascade, c'est une veste où j'ai des tailles du 46 au 60. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, j'allais dire, je vous la montre. Voilà pour le look final, vous voyez, accessoirisé, ça change tout. Je trouve ça trop joli. Je trouve ça, je sais pas, j'adore. Je trouve que ça fait très chic, ça fait très... Ça fait... Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas la décrire. J'adore cette tenue, je trouve ça confortable, mais vraiment très confortable. Mais classe, voilà. Donc ma petite robe chemise, ma petite veste cascade, donc de la semaine dernière, elle a des poches. Celle-ci, clairement, pour la saison, c'est le moment. Hein. Là, c'est le top du top. J'avais un rendez-vous ce matin. Vous mettez, enfin, il faisait un petit peu frais. Alors moi, j'ai pas pris celle-ci parce que j'en ai une quasiment similaire que j'avais eue, je crois, l'année dernière. Donc bon, j'allais pas prendre, ça fait un peu doublon. Mais si vous n'avez pas de petite veste noire, elle est parfaite, elle est tout en suédine en fait. Elle a le toucher suédine. Vous avez des poches, des vraies poches. Et en fait elle fait un peu style cascade sur le devant. Ce qui fait que, ouvert comme ça c'est magnifique. C'est un petit coup de froid, vous pouvez même venir la fermer. Alors il n'y a pas de bouton, vous pouvez vous rajouter si vous avez envie d'une ceinture hein. C'est vraiment au feeling. Moi j'adore, je trouve le style, le rendu magnifique. Et le petit sac qui est également disponible sur la boutique. C'est un sac en synthétique celui-ci, donc c'est pas du cuir, c'est du synthétique. Et vous voyez, il est assez large, vous pouvez mettre plein de choses dedans. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal quand vous voulez avoir de la place pour votre agenda, votre téléphone, votre trousse de, je sais pas moi, de maquillage, votre, voilà, vos clés de voiture et un livre pour la salle d'attente ou autre, c'est parfait. Donc voilà pour cette petite tenue. Ensuite, une autre robe. Alors, je sais pas si vous vous souvenez de la robe Léo, pareil, qui a cartonné celle-ci. C'est une robe de chez C. Melody. C'était une robe avec, que j'ai toujours d'ailleurs, parce que j'avais fait un bon réassort. Parce que je pense que là, l'automne qui arrive, on va être trop contente d'avoir ce genre de robe. Donc il m'en reste. Et cette fois-ci, j'ai pris la version zébrée. Elle ressemble beaucoup à la robe Léo, sauf que là, c'est vraiment du zèbre, quoi. Pour le coup, c'est du blanc et du crème, je dirais. D'ailleurs, la robe zébrée, la semaine dernière, pareil. Vous avez été très nombreuses à être déçues par dimanche. Donc mon fournisseur en a enfin reçu. Donc j'ai fait un bon réassort, il sera en ligne en même temps que cette vidéo, normalement. Je pense pas l'avoir mis avant, je verrai, peut-être que je le mettrai dans la semaine, mais sinon j'attendrai dimanche et je vous ferai le réassort. Donc vous allez avoir les robes zébrées, les ponchos noirs, alors ça aussi c'est pareil, même moi j'ai pas pu avoir le mien, ils sont partis trop vite. Ces derniers jours, hier, il faisait super froid, et ben je peux vous dire que j'avais très envie d'avoir un poncho. Donc les ponchos noirs sont également en réassort. Les pantalons stretch prune, vieux rose, marine et noir, je crois, également en réassort. Voilà, j'essaie de faire un bon stock parce que bah, ça y est, je pense qu'on peut le dire. L'été est fini. Il y a encore quelques petites journées ensoleillées, mais franchement, il fait pas hyper chaud. Donc je pense qu'il faut commencer un petit peu à se préparer. Moi, perso, il faut que j'enlève mes vêtements été, que ce soit à la boutique ou dans mon armoire, et que je sors l'automne parce que ça y est, quoi. Ça y est, il faut mettre des petites manches plus longues, voilà, petite veste, etc. Donc la robe, elle est comme ça. Donc c'est une robe de chez C. Melody, c'est une robe plissée. Alors, elle est plissée sur le devant de la robe, elle est doublée jusqu'au genou et au niveau des manches, c'est des manches fluides, voile, en voile. Elle n'est pas doublée au niveau des manches, elle n'est pas plissée au niveau des manches. Celle-ci, c'est une pépite, vraiment. Regardez là, elle est canon. Je vous montre jusqu'où elle va. Donc on voit pas vos fesses, elle va d'un 46 à un 52. Moi personnellement, je trouve qu'elle me va. Pour ma taille, ça ne me choque pas parce qu'en fait, elle est hyper élastiquée là. Hyper élastiquée là, donc je suis très bien dedans, je me vois totalement sortir comme ça. Après je vous mettrai une petite veste pour que vous puissiez voir, mais je trouve que c'est un très joli look, petite veste, petit sac à main, et ça fait classe. Je vous ai dit, en ce moment je suis un peu dans mon idée d'avoir des robes de ce style, je trouve que ça fait très classe. Et je vous dis des bêtises, la robe zébrée c'était pas la semaine dernière, c'était pas ce dimanche, c'était l'autre, je crois. Oui, parce que vous l'attendiez tous en réassort ce dimanche et j'avais pas pu en avoir, et là j'ai pu en avoir. Voilà, donc allez, voilà, je monte face au miroir. Face au miroir, elle est canon. Ça, c'est le genre de robe, moi je trouve, facile. Parce que, en fait, vous avez juste à la mettre, elle. Une petite veste si vous avez envie. Et c'est tout.
Elle se suffit à elle-même, l'imprimé est top, la matière est top, elle est doublée, on voit pas la culotte, ça c'est cool aussi. Elle fait très vite tous les jours pour aller travailler, mais aussi soirée. Moi je trouve que pour un événement, un restaurant, un anniversaire ou quoi, ça fait tout de suite très joli en fait. C'est une super super belle robe à avoir dans son dans sa garde-robe, vraiment. Donc, regardez le petit look finalisé. Hop, voilà, petit sac à main, petite veste simili, c'est un nouveau modèle, je vous la montre tout de suite, mais je vous le montrais quand même le look final. Voilà, prête pour aller travailler au resto, enfin franchement, nickel. Je vous montre la petite veste de l'autre côté. Donc, que je vous montre un petit peu cette petite veste. Voilà comment elle se présente. Donc ça, c'est un nouveau modèle de veste simili qui est extrêmement stretch. Je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte à la caméra, mais elle est hyper stretch. C'est une veste de chez 2W, donc elle est fabriquée en France. Et elle est dispo du 46-48 au 58-60. Donc, il existe la taille 46-48, 50-52, 54-56 et 58-60. Moi, je porte ma 50-52 comme ma taille habituelle au niveau du haut. Une veste simili cuir ne se ferme pas, mais je voulais quand même vous montrer qu'elle est très très élastane puisqu'elle se ferme. Pour info, les fermetures sont dorées. Voilà, je sais que ça peut avoir son importance. Voilà, elle se ferme pour vous dire vraiment qu'elle est très confort, mais c'est pas joli. Hein. Il faut laisser vraiment ouvert. C'est beaucoup plus joli. C'est pas le même style que les vestes simili cuir que je vends actuellement sur la boutique qui font plus rock, je trouve, au niveau de la matière. Là, c'est vraiment la petite veste déjà légère. Elle est pas lourde, elle est légère. Et que vous allez pouvoir porter, je pense, sur un peu plus de looks qui ne feront pas forcément rock. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Au niveau des épaules, on n'a pas d'épaulettes. Elle est vraiment simple, droite, mais très très confort. Vous allez pouvoir vraiment, je vais vous montrer sur différents looks aujourd'hui de toute façon pour que vous puissiez vous rendre compte, mais voilà, celle-ci. Ensuite, une autre tenue, j'adore. Alors attendez, je vous montre tout ça, c'est trop joli. Donc je porte une nouvelle robe et la petite veste simili et un sac qui est dispo également sur la boutique. C'était un sac en synthétique noir, parfait pour un sac de soirée en fait, ou un sac de la vie de tous les jours si vous aimez pas avoir grand chose avec vous, on va dire ça comme ça. J'adore cette tenue, j'ai remis le collier et je vous montre, je trouve ça trop joli. C'est trop joli. Et en plus, vous allez être contente, cette tenue est dispo du 46 au 60. Je suis contente. Je vous montre face au miroir, je vous montre petit à petit. Je vous montre déjà face au miroir et ensuite je reviendrai vous montrer la robe en détail, comme ça vous allez pouvoir voir. Clairement, comme d'habitude, je porte mes petites bottines. J'ai pas de collant parce qu'aujourd'hui il fait encore chaud en essayant les habits, etc. Mais clairement, vous allez pouvoir la porter avec des collants. C'est très facile ce genre de petites robes avec des collants. Que ce soit des collants opaques ou des collants même, vous savez, 30 deniers, quoi, pas très opaque, ça fera super joli. Et c'est le genre de robe que vous allez pouvoir porter également avec des bottes. Donc il y a vraiment plein de possibilités, plein de styles. Là, je la porte avec ma veste simili. Je peux très bien porter la veste casquette que je vous ai présentée en début de vidéo aussi, qui irait très bien avec. Et vous pouvez tout à fait porter un pull noir par-dessus. Vous voyez, ça ferait aussi très joli que vous venez remonter un peu à ce niveau-là avec un long sautoir et ça donne encore un autre look. Donc ce genre de robe, c'est vraiment des robes qui vont pouvoir se porter avec plein de looks différents. Je vois si le rendu face au miroir, je trouve ça mais canon. C'est trop trop joli. J'adore. Alors, que je vous montre. Donc mon petit sac, voilà, vous le connaissez, on l'enlève. La petite veste simili, donc vous avez compris, elle va vraiment avec tout. Et je vous ai pas dit, mais elle a des poches. Ça peut être important, qui ne se ferme pas, mais elle a des poches. Donc parfait, j'adore. J'adore ce look. Et une fois que vous enlevez la veste, une fois qu'on enlève la veste, on se retrouve avec cette robe-là, qui est divine. Elle existe en plusieurs tailles. Alors, elles sont 46, 48, 50, 52... 54, 56. Prenez votre taille habituelle, elle taille très bien. J'ai décidé de porter la 54, 56 parce que mon bas fait un 54, 56. Mais au niveau du haut qui fait un 50, 52, j'aurais, vous voyez, très bien pu prendre la 50, 52. D'autant plus que vous voyez la place que j'ai. Donc elle est top. C'est une robe manche longue. Donc pour l'automne,
C'est parfait. Vous avez une fermeture éclair dorée. Donc, pour celles qui n'aiment pas le doré, voilà, c'est doré, mais ça rappelle du coup mon collier doré. Donc, c'est très joli. Et vous avez une fermeture. Vous allez pouvoir donc décider de fermer le décolleté ou de l'ouvrir. C'est vraiment votre choix. Vous avez un tout petit col qui s'arrête là. Elle est en, vous savez, droite jusqu'ici, hop, et un peu plus volantée sur le bas. Moi, j'adore le style. Et petit volant encore tout en bas. Et vous voyez, je la porte avec mes bottines parce que c'est plus simple pour moi aujourd'hui. Mais avec une petite paire de bottes, ça ferait tout aussi joli, vraiment. C'est vraiment le genre de robe, vous voyez comme elle est toute fluide. Elle m'arrive aux genoux, elle est vraiment parfaite. J'adore. Elle est facile aussi à porter, clairement, dans la vie de tous les jours, elle est facile à porter. Bon, j'ai décidé quand même d'essayer la taille 50-52 pour vous puissiez un petit peu voir la différence et voir qu'il n'y a pas tant de différence que ça non plus. C'est pour ça que je vous dis, prenez vraiment votre taille habituelle. Elle me va tout aussi bien en fait, hein. Même au niveau du bas, franchement, je vois pas une énorme différence. Donc la 50-52 me va très bien aussi. Elle est tout autant élastique, vous voyez. Elle est parfaite, cette robe est parfaite. Je trouve qu'elle met en valeur la silhouette en plus. Elle est vraiment trop, trop jolie, j'adore. Ensuite, je vous montre une nouvelle, je sais pas comment on peut appeler ça, un impair, une parka, entre les deux. J'en ai, je crois, jamais eu sur la boutique. Elle est trop belle. Je suis trop contente de l'avoir, d'avoir réussi à vous trouver ça. Alors, que je vous montre. Elle est divine. Elle est trop belle. Donc ça, c'est une grande taille. Il faut faire... Vous voyez, elle est très oversize, donc je dirais qu'il faut faire un 50-52 jusqu'à un 54-56. On est ok, je pense. De toute façon, je prendrai les mesures. Vous voyez, elle est large, hein, on a de la place. J'ai décidé d'ouvrir les manches, c'est-à-dire que moi, je l'avais reçue moi, je suis remontée. Ça peut être très joli également. Ça donne un autre style. Voilà. Vous voyez. Ça peut être joli aussi. C'est vraiment comme vous préférez. C'est une veste aspect, donc simili-cuir. Qui possède une capuche, clairement, avec la saison. Moi, je trouve que c'est indispensable d'avoir une capuche. Les jours de pluie, quand vous allez chercher les petits à l'école et que vous n'avez pas de capuche à votre manteau, vous êtes deg. Après, bon, il y a des parapluies, mais c'est toujours compliqué à l'école et tout. Donc, vous avez, je vous montre ça, une capuche. Hop, donc, elle est tout en liseré doré sur la, la capuche. Vous avez une fermeture argentée et au niveau des poches, donc vous avez deux grandes poches, ça c'est pareil, c'est parfait. Vous pouvez mettre vos clés de voiture, votre téléphone, tout est ok. Et vous avez en fait des étoiles dorées d'un côté et de l'autre côté des petits cœurs dorés. Voilà, elle est canon celle-ci, je la trouve canon et je peux la fermer. C'est pour ça que je vous dis jusqu'à un 56 c'est ok. Parce que moi personnellement, elle me va. Voilà. Mais je pense qu'en dessous d'un 50, c'est vraiment trop oversize. Ouais, je pense qu'il faut faire un bon 50-52 pour la porter. Après, ça peut se porter oversize. Vous pouvez la laisser également ouverte. Là, je l'ai mis sur ma robe, mais pareil, vous pouvez porter ça sur un pantalon sans aucun problème. Hein. C'est vraiment la petite veste par cas impair que vous allez pouvoir porter. Là, il fait froid. Enfin, il pleut, hop, je dois sortir vite fait, je mets ça, voilà. Et en même temps, c'est pas n'importe quelle parka, c'est-à-dire qu'elle est très chic, je trouve. Je vous montre face au miroir. Face au miroir, vous voyez, elle cache bien les fesses, donc ça c'est top. Elle est, je dirais même qu'elle est plus longue derrière que devant. Voilà, elle est vraiment belle, vraiment, la qualité est incroyable. Elle est canon, je l'adore, je suis fan de cette veste. Là, c'est vraiment le moment pour porter ce genre de pièce. Alors, pas tout le temps, mais les jours où ils ont prévu de la pluie, franchement, vous mettez ça, mais c'est trop joli, quoi. En plus, avec les petits détails aux poches, j'adore. Là, vous serez pas trempé. Ensuite, une autre tenue, j'adore. Alors, pour toutes celles qui étaient frustrées pour le pull Manon, qui avait des belles couleurs et que, qui ne va que jusqu'à 48-50, alors, c'est pas la même coupe, clairement. Mais j'ai trouvé des pulls de chez C-Melody qui vont jusqu'à un 52, peut-être même un peu plus. Je vous montre, je suis totalement fan de celui-là, je vous avoue. Il est prune, il est canon. Hop, j'ai essayé de vous trouver la même tenue que celle que je vous ai présentée il n'y a pas longtemps. Donc, pour commencer, la jupe, c'est une jupe simili-cuir qui est fabriquée en France, si je ne dis pas de bêtises, et qui existe à plusieurs tailles. J'ai pris du 42-44, j'ai pris du 46-48, du 50-52 et du 54-56. Donc moi, je porte la 54-56.
derrière, je vous ai pas montré le derrière, voilà le dos. Et avec, je pars donc ce magnifique pull de chez Saint Melody. C'est une nouveauté, c'est une merveille. Il est canon, il est tout doux, donc c'est un pull vraiment très très doux. Il est prune. Là j'ai mis un sautoir étoile noire pour assortir en fait et rappeler le bas. Après je vais mettre ma petite veste mini-cure pour un peu casser le look. Mais vous pouvez très bien le porter, vous voyez, plus simple, sans rien. Il n'y a pas de souci. Niveau de la matière, je vous dis vraiment, je pense qu'il va aller jusqu'à 54 facile, regardez. Hop, il est vraiment, il s'adapte à la morphologie, il n'est pas serré, on est trop trop bien dedans. Et la jupe, c'est une jupe où vous n'avez pas de boutons. Donc elle est élastiquée, en fait vous avez un élastique à ce niveau là, vous voyez. Donc vraiment pareil, la jupe elle n'est pas du tout collée. Prenez bien votre taille habituelle, elle va super bien. Donc voilà, face au miroir, je suis fan. Donc pareil, petite bottine, vous pouvez mettre des bottes bien évidemment. Elle est fendue derrière, je pense que vous l'avez vu. Et le pull prune, non mais... Une merveille ce petit pull. Il est trop canon. Donc j'ai mis le sautoir noir. Vous pouvez bien évidemment l'enlever. Ça fait un look un peu plus simple. Tout aussi joli, j'aime beaucoup. Et je vais vous montrer avec la veste simili-cuir. J'aurais pu mettre la veste cascade aussi qui aurait fait très joli. Il y a plein de possibilités. Je peux mettre l'impair que je vous ai présenté. Le manteau que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc là je vais plutôt partir sur la veste. Donc voilà le look avec la veste. Je trouve ça trop joli, vous voyez. Le pull est plus long. Donc le pull va sortir comme ça. Et vous allez avoir un voilà noir, prune noir. Et je trouve ça très joli. Pareil avec une petite paire de collants, c'est divin aussi. Ce sera trop trop beau. Et c'est le genre de petit pull vraiment que vous allez pouvoir porter là en automne-hiver. Tout doux avec plein de tenues. Du jean, du noir, du gris, enfin, il va être facile. Et vous avez compris que c'était la couleur, hein. Je vous l'ai dit, c'est la couleur de l'automne-hiver, elle est là. C'est un magnifique prune. Bon, je vous montre quand même le rendu sans le sautoir pour que vous puissiez voir. Voilà, ce magnifique pull prune. En vrai, il se suffit à lui-même. Il est trop trop beau, j'adore. Je vais reprendre ce côté, j'ai complètement oublié de vous montrer. Je porte quand même un nouveau bracelet, donc... Je pense que celui-ci va vous plaire, vous allez voir. Donc c'est un bracelet voilà. Doré. Vous avez une lune, une étoile et du strass, on va dire ça comme ça. Avec, alors c'est du faux, on est d'accord. Juste j'ai perdu mon mot. Oh mince. J'ai perdu mon mot. Bah, des perles des cultures, voilà. Hop, à ce niveau-là. Celui-ci, je vous l'ai pris pourquoi ? Parce que je sais que c'est difficile de trouver quand on a un gros poignet. Et celui-ci s'adapte en fait. Vous voyez ? Donc vous allez pouvoir le mettre. Donc c'est un bracelet doré, classique. Vous allez pouvoir le mettre. Hop, alors moi j'ai des petits poignets. Mais je vous mesure toujours les poignets pour que vous puissiez vous rendre compte. Et ensuite, alors soit quelqu'un vous le met. Parce que je vous avoue, c'est pas hyper facile à remettre quand on est seul, mais j'ai réussi tout à l'heure, donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas cette fois-ci aussi. En fait, vous avez hop, une petite perle que vous faites remonter et ça s'adapte en fait, et ça bouge pas. Hein. Je vais vous le remonter. Voilà, il faut juste retrouver la bonne technique. Voilà. Voilà, hop. Et du coup, j'ai mon petit bracelet adapté, comme ça. Alors par contre, j'ai du mal à adapter là. Voilà. Donc voilà. Hop. J'aime trop ce pull. Ensuite, une autre tenue. Alors, je porte toujours ma jupe simili-cuir. Je voulais vous montrer que vraiment, c'est une pièce indispensable à avoir dans son dressing. Ça peut devenir en fait une pièce basique que vous allez pouvoir accessoiriser. Cette jupe, je l'ai déjà eue d'ailleurs, hein, l'année dernière et l'année d'avant, je crois. Donc, si ça vous dit quelque chose, pour celles qui l'ont, c'est normal. Voilà, c'est toujours le même modèle qui va donc d'un 42-1 à un 54-56. Voilà, et donc cette fois-ci je la porte avec une tunique, blouse tunique, parce que je me suis dit, il faut aussi que je vous montre que ça ne va pas forcément qu'avec un pull, que vous pouvez la porter aussi dès maintenant, et je vous ai trouvé une blouse tunique magnifique. Elle est caramel je dirais, ouais caramel, elle est manche bouffante resserrée sur le bas, vous avez deux pompons, que vous allez pouvoir venir nouer devant ou pas, c'est vraiment comme vous voulez. Elle est à l'aise élastiquée sur le haut, donc vous pouvez également, si vous avez envie, le baisser, mais personnellement je trouve que c'est plus joli comme ça. Et au niveau de la taille, elle est large, donc je dirais qu'elle va d'un 50
voyez, comme elle tombe sur moi. Jusqu'à un 54. Elle va d'un 50 à un 54. C'est vraiment la petite tunique blouse que vous allez vraiment pouvoir porter facilement pareil. Donc là, je porte la jupe simili. Vous allez pouvoir la mettre avec un pantalon simili. Vous pouvez aussi la mettre avec un jean. Vous pouvez la mettre avec un pantalon noir. Tout ce qui est dans les tons marron, camel, etc. C'est très joli aussi à sortir avec le caramel. Moi, j'aime beaucoup. Je vous montre le rendu de la tenue. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas du tout rentré dans la jupe. On pourrait. Mais je trouvais que le look était plutôt cool comme ça. Vous voyez? Très simple. Pareil, hein, c'est le genre de petite blouse que vous allez pouvoir mettre avec les shorts simili de la semaine dernière. Ça ira aussi très très bien. Voilà. Après, c'est pareil. Vous pouvez finaliser le look, mettre une veste simili, mettre la veste cascade, mettre un gilet, mettre... Enfin, il y a plein de possibilités. Je pense qu'avec le poncho noir, ça pourrait être très joli aussi. Donc le poncho noir qui est en réassort aujourd'hui, donc qui est de nouveau en stock. Voilà. Au niveau des bas des manches, on n'est pas du tout serré au niveau de la manche. Et en plus, on est très élastiqué. Et au niveau de la blouse, elle a un petit imprimé. C'est des petits cercles, en fait. Voilà. Là, vous voyez bien. Hop, et puis je porte toujours mon petit bracelet étoilé. Je vous montre la tenue face au miroir. Vous voyez, je l'ai vraiment décidé de ne pas la rentrer dedans. Vous pouvez si vous le souhaitez, mais je trouve que comme ça, ça fait très joli aussi. Hop, du coup, elle est assez longue. Elle cache les fesses pour celles que ça intéresse. Ça peut avoir son importance. Et au niveau de mon 54-56, je suis bien. Je pense qu'elle pourrait aller jusqu'à un 56, mais je préfère quand même vous dire 54. Et prenez vos mesures pour être sûr. Elle est trop jolie. C'est un petit basique à avoir dans son dressing. Automne, vous la portez comme ça. Hiver, vous mettez un gros gilet par-dessus et ça vous fait votre tenue du jour. J'adore. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer avec le poncho le rendu parce que je trouve ça tellement joli. J'adore. Donc le poncho, c'est ça. C'est un poncho de chez C-Melody. Ah, puisque vous avez un peu plus de lumière là. Oui, c'est un poncho de chez C-Melody. En fait, vous avez juste le trou pour la tête et ensuite... Voilà, c'est vraiment un poncho. Donc c'est facile à mettre. Vous mettez ça sur toutes vos tenues. Je voulais vous montrer qu'avec la jupe, il n'y avait aucun souci. Vous posez ça sur vous, ça vous réchauffe. Que ce soit pour sortir ou dans la vie de tous les jours à la maison. Ça peut toujours vous rajouter une épaisseur. Moi, je trouve qu'il est top. Il est vraiment top. Et après, vous jouez, soit vous le mettez un peu plus long devant, un peu plus long derrière. Enfin, voilà. Il est canon. Il est tout doux. Et j'adore. J'adore. Vraiment... Ensuite, on continue avec une autre petite tenue. Je la trouve trop belle. C'est une petite blouse de chez C-Melody. Elle est bien longue, bien large. Elle cache les fesses. Et en fait, j'ai craqué sur ces petits détails à ce niveau-là, au niveau des épaules. J'aime beaucoup le rendu. Vous avez deux boutons sur le devant, hop, au niveau des manches. Les manches sont plutôt bouffantes. Hop, vous voyez le motif. Avec, j'ai mis un pantalon simili noir, mais c'est le genre de petit haut que vous allez pouvoir mettre avec un jean noir, avec un pantalon noir et ton beige, camel, etc. Ça ira aussi très bien. Je la trouvais canon. Au niveau de la taille, je la trouve assez large. 48, j'ai peur que vous soyez trop grand. Du coup, je serais plus partante sur un 50-52. Peut-être 54 en fonction de votre taille. 46-48, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Au niveau des bras, c'est large. Ça peut le faire en 46-48, mais si vous aimez que ça soit près du corps, il vaut mieux éviter. Mais sinon, ouais, elle est canon. Je la trouve très chic en fait. Et avec, je porte un nouveau modèle de simili. Donc, c'est un simili noir en taille 42-44, 46-48, 50-52 et 54-56. Donc, ça, c'est trop cool. Je vous montre. Hop là, comme ça vous pouvez bien voir. Hop, donc vous voyez la petite blouse, elle est bien longue, elle cache bien les fesses. Je vous montre aussi le simili comme on tombe. C'est un simili avec une couture au milieu. Il est pas très long, je dirais que c'est un simili presque 7/8. Vous avez deux fermetures sur le devant et en fait il est extrêmement élastique.
Vous n'avez pas de fermeture. Enfin, les fermetures, c'est des fermetures éclair pour faire joli, hein, vous les ouvrez pas. Mais vous voyez, il est très élastique, il est élastiqué dans le dos. Vraiment, il s'adapte facilement à votre morphologie. Il est extrêmement confortable. J'adore. Il est trop joli. Ensuite, je vous le montre. Donc, là, donc voici ma petite tenue face au miroir. Voilà, c'est trop joli. Donc, le petit simili. Hop, vous voyez comme il est. Très confortable. Et ma petite blouse. Voilà, ça fait des belles tenues. J'adore. Franchement, elle est chic celle-ci. Je la trouve hyper chic. Je sais pas si vous verrez, vous avez une couture en fait. Attendez. Hop là. Vous avez une couture ici, une couture là, une couture là. Voilà. Elle est trop belle. Ensuite, notre tenue. Coup de cœur également. Vous devez vous dire, elle fait beaucoup de prunes et de simili. Mais oui, complètement. Mais j'adore. Je trouve ça trop joli. Et j'essaye vraiment de vous en trouver pour tous les goûts. Parce que, enfin, je trouve que c'est trop beau. Voilà, j'adore cette couleur. C'est un coup de cœur. Donc, je porte le petit pull sans manches de chez C-Melody. Vous le connaissez. Je l'ai eu en blanc, je l'ai eu en rose, je crois que je l'ai eu en corail, j'ai eu d'autres couleurs, je ne me souviens plus, noir je pense. Et cette fois-ci je vous l'ai pris en prune, il est canonissime, donc ça c'est pareil. Hein. Là c'est pile poil la saison idéale, là il y a le soleil qui est sorti, vous sortez comme ça, c'est nickel, il est trop trop beau. Avec le petit collier, je voulais vous montrer que ça fait... très joli, c'est vrai que ce petit collier il va très bien dans le look un peu rock, un peu simili, moi j'aime beaucoup. Et mon petit pantalon simili cuir, j'adore, franchement, je vais vous monter de l'autre côté pour que vous puissiez bien voir, mais voyez, il est bien large en plus, celui-ci, il est canon, j'adore, il est vraiment trop trop beau. J'adore cette tenue. Et si vous voulez faire le look total, vous pouvez rajouter la petite veste simili cuir avec. Ça fera très joli également. Voilà le look complet avec ma petite veste simili. J'adore. Le prune, le pantalon, la veste. Ça donne vraiment un côté un peu rock. J'aime beaucoup. Après, c'est pareil. Vous pouvez également porter ça d'une autre manière. C'est-à-dire très plus simplement. Le pull avec un pantalon, un jean noir, un pantalon noir. Rose également, du gris. Juste un jean, je vous l'ai dit, jean bleu également. Vous pouvez également décider de porter le look sans la veste, mettre plutôt une veste un peu plus simple, la veste cascade par exemple. Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités. De toute façon, les fringues, c'est ça, c'est s'amuser, se faire plaisir. Maintenant qu'on a des pièces dans lesquelles on se sent belle et bien, moi je pense qu'il faut y aller parce que, comme vous le savez, j'ai tellement pleuré dans les cabines d'essayage, mais je vous le dis souvent, hein, mais c'est vrai. Qu'aujourd'hui, maintenant que je peux me préparer et me faire des pièces comme, enfin des tenues comme j'aime, j'en profite, mais vraiment je trouve qu'il faut en profiter. Oser la couleur, oser les pièces, enfin on n'a qu'une vie. Et je trouve qu'on se sent, on a tellement plus confiance en soi quand on se trouve jolie, mais vraiment, hein. Et c'est pas, enfin moi je le vois, hein, les jours où j'ai pas le temps de, je sais pas moi, de m'apprêter et je vais sortir habillée avec un jean, un pull, les cheveux en chignon au-dessus de ma tête. J'ai moins confiance en moi que les jours où j'ai pris le temps d'aller me coiffer, de mettre une belle tenue, un rouge à lèvres ou autre. Enfin, c'est très très bête, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, que moi, je fonctionne. Donc voilà pour ça. Ensuite, c'est parti pour une autre tenue. Donc, je pars toujours mon pantalon simili cuir, mais cette fois-ci avec un pull. Alors, la semaine dernière, les pulls Mademoiselle Pipelette ont cartonné, le marine. Je m'en doutais déjà l'année d'avant, c'était un peu le top. Enfin, voilà. C'est un pull qui est très doux, très joli. Qui a de l'ampleur, il est assez oversize, il se porte facilement. Donc cette fois-ci, je vous ai pris encore un Mademoiselle Pipelette, mais une nouvelle couleur. Alors, j'ai du mal à la décrire. Moi, on me l'a vendu en tant que couleur camel. J'ai l'impression que c'est un camel qui tire légèrement vers le... peut-être pas vers le moutarde, mais vers le brun. Peut-être un peu moutarde. J'ai du mal à vous le décrire. Je pense que vous avez la bonne couleur. Je pense qu'on a la bonne couleur. Donc le Mademoiselle Pipelette, c'est quoi? C'est un pull qui est plutôt, vous voyez, carré, bien oversize. Il a deux poches. Les manches sont plutôt resserrées. Voilà. Et vous pouvez donc soit laisser en manche longue, soit le remonter un peu. Voilà. Celui-ci va d'un 50 à un 56. Vous avez donc deux poches. Et vous avez en fait l'écriture Mademoiselle Pipelette en blanc et en marron. Et vous avez les étoiles, cette fois-ci, il y a des petits sequins.
Voilà, et donc moi j'ai gardé mon 6 mm parce que je trouvais que ça allait très bien avec. Mais voilà, c'est le genre de pull facile à porter également, un jean, ça va très bien aussi, un pantalon noir, ça va très bien aussi. Je vous montre face au miroir. Donc voici le rendu face au miroir, vous voyez comment il est. Il est tout doux en plus, c'est vraiment un pull extrêmement confortable à porter. Je trouve qu'il fait lumineux, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il illumine le visage. Voilà, c'est un petit pull, un peu un basique à avoir je trouve. Et pour celles qui aiment les couleurs un peu plus sobres, bah c'est le moment. Là on est sur une couleur très facile, très sobre, j'aime beaucoup. Ensuite une autre petite tenue, j'adore ce look. Donc je porte le pantalon 6 mm cuir, je porte la veste suédine rouge en taille 52 que vous connaissez, qui est déjà disponible sur le site. Et avec je porte un nouveau modèle de petit pull fin. Alors ça il est vraiment, ouais c'est un petit pull très très fin même. Magnifique, plus petite taille que ceux de la semaine dernière. Ceux de la semaine dernière c'était vraiment un 50 jusqu'à un 56. Ils seront d'ailleurs en réassort, je les ai validés là, je viens de payer mon fournisseur. Donc ils seront de retour en stock dimanche, donc le moment où vous regardez cette vidéo. Et là j'en ai pris chez C-Melody, donc à partir d'un 44-46 jusqu'à un 48-50. Voilà, c'est une petite marinière noire avec deux petits cœurs en moumoute rouge, j'adore. Je trouve qu'à sortir la petite veste comme ça, c'est magnifique. Le pantalon, ça rappelle la marinière, moi je suis fan. Totalement fan, et comme il y a des cœurs, bah je vous ai trouvé des nouveaux modèles de petites boucles d'oreilles. Je les trouve trop belles, elles sont trop jolies. Donc c'est des petits cœurs en fait, dorés, et ensuite vous avez des petites perles transparentes. Et je trouve que ça fait un petit look un peu Valentine. J'adore, j'aime beaucoup. Bon, je vous montre donc de ce côté, j'aime vraiment trop ces Perfecto, ils sont magnifiques, ils sont vraiment divins. Là j'ai mis le rouge pour rappeler le petit cœur rouge, mais il existe également en marine, et vraiment ils sont... La qualité est incroyable. Donc les boucles d'oreilles, je vous les montre d'un peu plus près. Hop, et la marinière que je vous montre, elle est trop belle. Donc la marinière c'est celle-ci, elle est magnifique, elle est trop jolie. Un peu juste pour moi, c'est pour ça que je vous dis jusqu'à un 50, bien qu'elle est quand même bien élastiquée. Elle moule un peu, donc mon 50-52 c'est un peu juste. Si vous faites un 48-50 ce sera ok. Elle est col V, les petits cœurs rouges, enfin, elle est vraiment belle et c'est des belles matières. Hein. C'est Melody, il y a toujours des belles coupes et des belles matières. Et les petits cœurs comme ça, je trouve ça trop mignon. Donc voilà pour ce petit look. Ensuite un autre petit pull fin, il est trop canon. C'est un pull un peu, on va dire un peu léopard, avec un violine mauve que je trouve trop beau. Regardez-moi cette couleur. Je le trouve trop beau. Et surtout, il est large, donc ça c'est cool. Celui-ci va aller d'un 50 à un 54. Peut-être même 56 près du corps. 54 sur. Peut-être même 56. En tout cas, moi, mon 54-56 en bas est plutôt bien. Après, il a une aisance, je vais vous montrer. Hop là, donc il est col V. Matière très fine, très agréable à porter. Il est manche longue. Et en fait... Il est bien long, il cache les fesses et en fait vous avez une ouverture à ce niveau là. Ce qui fait que ça vous fait un peu d'aisance au bas, vous n'êtes pas compressé. Et ça met en valeur la silhouette. Il est long, hein, je pense que vous voyez, il est vraiment long, il est agréable. Alors forcément avec le 6 mm ça va très bien. Mais pareil, ça c'est le genre de petit pull fin, vous allez pouvoir mettre avec plein de possibilités. Un jean noir, ça ira très bien, un jean brut également. Et il est vraiment, je trouve qu'il sort de l'ordinaire en fait, c'est cette couleur. Cette jolie couleur un peu mauve, là, comme ça, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est très, très... Elle est originale, on la voit pas souvent. J'aime beaucoup. Voilà, je monte face au miroir. Pull face au miroir, vous voyez la coupe, comment elle est. Il est vraiment canon, ce pull. Puis je trouve qu'il colle pas, il est fluide, il est vraiment très joli. Très, très joli. Ça, c'est le petit genre de pull que vous allez pouvoir mettre à diverses occasions. C'est-à-dire, là, je l'ai mis avec des Converse. Voilà, très soft. On peut mettre une petite veste mini cuir, ça fait un petit côté décontracté, mais joli. Et vous pouvez également le mettre totalement différemment, mettre des bottines, mettre la jupe simili, la petite veste simili, et ça donne encore un autre style en fait. Voilà, il y a plein de possibilités. Il est trop joli. Ensuite, un autre petit pull, il est trop beau. C'est un pull
très fin, j'ai envie de dire, il est vraiment fin. En maille, c'est du lurex. Vous avez noté Hello en strass, alors c'est pas des strass, c'est des sequins, un peu réversibles, mais moi j'aurais tendance à pas les faire réversibles parce qu'ils s'abîmeront vite, hein. Laissez-les d'un côté, ça ira très bien. C'est un pull, alors c'est un pull très très fin, bien large, il colle pas, je trouve que la coupe elle est hyper avantageuse. Vous avez un esprit marinière sur le bas, enfin vous voyez là où à ce niveau là, le bas des manches également. Et la couleur, alors par contre la couleur, j'ai du mal à la décrire, c'est la couleur que vous voyez, je crois que chez eux c'était noté chocolat chez mon fournisseur. Je ne suis pas sûre à 100% que ce soit chocolat, mais ça y ressemble, disons, à peut-être du taupe. C'est du doré en fait, vous avez du doré et de la maille unie. C'est très très beau, je vous montre de plus près pour que vous puissiez vous rendre compte. Ouais, il est vraiment canon. Et je vous montre aussi de plus près le pull. Il est vraiment canon, je vous le descends. Hop là. Voilà, donc j'ai laissé mon simi lui, hein, parce que vous avez vu, en fait, il va tellement avec sous que voilà, je le laisse. Il cache, alors pas totalement les fesses, donc il va tomber jusqu'à milieu des fesses. Il a une... Franchement, il a une coupe hyper avantageuse, hyper... Moi, j'aime beaucoup. Il est large. Alors, au niveau de la taille, je dirais qu'il va d'un 50 à un 54. On a quand même de la place. 56 près du corps, mais 54 sinon... voilà, peut-être que ça irait aussi à un 48, mais ce serait très oversize. Vous voyez, comparez-vous à moi, ça ferait quand même pas mal oversize. Avec ce pull-là, je pourrais vous proposer un pantalon. Hop, je pense que ce pantalon-là irait très bien avec. C'était un pantalon chino, donc le style chino que vous connaissez, que j'ai en plusieurs coloris. Et donc cette fois-ci, je l'ai... Alors... C'est vrai que les couleurs chez les fournisseurs, c'est toujours très aléatoire. C'est-à-dire que parfois, ils vous mettent des photos, ça n'a rien à voir. Donc à la base, c'était un chocolat également. Sauf que c'est pas du tout un chocolat. Je pense que vous allez voir. Je sais pas. Peut-être un taupe. Peut-être un taupe. Il n'est pas chocolat, ou alors chocolat très clair, ou un taupe. Mais dans tous les cas, je trouvais que la couleur rappelait le haut. Donc moi, je ne l'essaye pas pour éviter parce que de l'abîme, etc. En sachant qu'en plus, vous connaissez cette coupe, hein, je vous le présente quand même de nombreuses fois. Vous pouvez regarder sur le site, j'ai plein de photos de chino dans d'autres couleurs et je les porte. Mais voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu le rendu avec ce pantalon. Je pense que ça pourrait faire un super look. Voyez les deux réunis là, je pense que ça peut faire un joli look. Donc voilà, je vous montre le petit pull face au miroir et ce pantalon va d'un 50-52 jusqu'à 56. Donc voilà le rendu face au miroir, vous voyez, c'est vraiment un pull facile à mettre quoi. Vous le posez, je trouve qu'il met vraiment bien de valeur la silhouette. J'aime beaucoup. Hop. Avec mon petit simili, j'adore, il est trop joli, il est trop joli. Franchement, il est très original. Vous avez aussi deux étoiles là, en strass. Trop beau, j'aime beaucoup. Ensuite, une autre tenue. J'adore ce look. Donc, c'est la jupe. Enfin, c'est la jupe. C'est une jupe de chez C'est Melody. Vous les connaissez. C'est les jupes plissées soleil que je vous ai montrées en marine, caramel. Alors, sur plusieurs semaines. Hein. Je ne sais plus si elles sont encore dispo sur ma boutique, mais en tout cas, là, c'est un nouveau modèle, celle-ci. Et c'est une plutôt avec des motifs. Dans les tons noirs et beige, je la trouve canon. Elle est taille élastiquée, vous avez la taille en fait toute dorée, hop, et elle va jusqu'à un 52 facile, voire plus, hein, si vous le souhaitez. Moi, je sais que ça me met jamais en valeur, sauf quand je fais ce genre de look, c'est-à-dire quand je mets, là j'ai le débardeur Sonia satiné noir que j'ai rentré dedans, et ensuite je mets ma petite veste simili, et là oui, ça fait un look... Bah, j'adore, c'est un look que j'adore. Petite bottine, tout ça, je trouve que c'est très chic, très facile à porter. Moi j'adore ce petit look. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Donc voilà, au niveau de la longueur, elle m'arrive là en sachant que je l'ai remontée jusqu'ici. Donc après c'est en fonction de là où vous la mettez. Et vous voyez, je suis pas serrée quoi, j'ai vraiment de la place. Elle est vraiment, je sais pas comment vous montrer, mais elle est satinée quoi. Si vous avez les marines, etc., vous voyez un peu ce que je veux dire. Et sinon, bah voilà, vous voyez pas ce que je veux dire. Mais elle est vraiment satinée, elle est toute douce. J'aime beaucoup, beaucoup cette tenue. C'est trop joli. Hop, je vous montre un peu l'imprimé de plus près.
Voilà, vous voyez, yes, vous voyez le satiné, trop beau. Ensuite, c'est presque la même tenue, mais avec une autre jupe. Donc, c'est la jupe, la fameuse jupe de chez C'est Mélodie que je vous avais présentée en caramel, en marine. Cette fois-ci, elle est en kaki. Alors, est-ce que vous allez avoir la bonne couleur? Oui, je pense que vous l'avez. C'est un joli kaki qui tire sur l'olive. Elle est canon, franchement elle est canonissime. Pareil, petit haut noir, petite veste simili et le look est fait. Enfin vraiment, elle est trop jolie. Vous mettez ça avec des petites bottines, ça rend trop trop bien. Regardez la fluidité, regardez le plissé soleil, elle est trop belle. Ouais, c'est magnifique. Elle est magnifique. Pareil, c'est genre de petites jupes. Donc c'est des jupes longues, hein, toujours élastiques à la taille avec la bordure dorée, que vous allez pouvoir mettre avec un pull également. Ça fera très joli, un joli pull uni de préférence. Ça fait trop trop beau. C'est vraiment une magnifique jupe et elle est extrêmement douce, vraiment très très douce. Je pense que j'aurais pu même m'attacher les cheveux en arrière, ça aurait fait encore plus joli dans le look. J'aime beaucoup cette jupe. Ensuite, la dernière tenue, je pense que vous la reconnaissez, c'est la blouse ou la tunique, je sais jamais bien les définir, de la semaine dernière que je vous avais présentée en beige et vous l'avez adorée. Et cette fois-ci, je vous la présente en noir. Elle est tout aussi belle. Donc celle-ci, c'est une taille 50, 54, 56, je crois bien. Je sais plus ce que je vous ai mis, je crois 54, 56. Elle est vraiment bien large. Elle est... Non, j'allais dire élastiquée, mais non, pas du tout, elle n'est pas élastiquée au col. Elle a une étoile dorée et en fait, vous avez tout plein de broderies comme ça sur le bas de la manche. Elle est trop belle. J'adore. Elle est canonissime. Vous pouvez la porter avec ce que vous voulez. Pareil, c'est une tunique noire, donc clairement, en termes de tenue, vous posez ça avec ce que vous voulez. Ah, très bien. Pantalon noir, pantalon beige, jean. Vraiment, elle est facile à porter et elle est très agréable. Je la trouve canon. Je sais pas si vous voyez bien de près. Elle est trop trop belle. Attendez, je vous baisse un peu. Elle est trop belle. Pour une fois qu'on trouve des belles pièces comme ça, jusqu'au 54-56, c'est cool. Hein. C'est cool. Elle est vraiment vraiment jolie. Donc voilà, écoutez, cette vidéo est terminée. Je pense que je vous ai présenté toutes les pépites de la semaine. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. J'essaye un maximum de trouver des tailles de toutes les tailles en fait, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde chaque semaine. En tout cas, j'essaye un peu plus au niveau des 54-56, puisque ça fait des semaines que j'en avais pas eu et je comprends votre frustration. Donc c'est vrai que j'essaye de trouver un max de choses pour ces tailles là, même si ce n'est pas évident. Je fais mon maximum, mais voilà, je pense que j'avais quand même des belles pièces aussi pour les plus petites tailles. J'espère que ces pépites vous auront plu. Elles sont à retrouver donc sur le site ladyandmummyshop.com. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!